Et Poupa. Et Poupa. Oui, madame. Oui, viens un peu. Oui, madame. Voilà tes calculs. J'arrive pas à comprendre ma tête. Je vois ici 19 000 de manquants. Bien. Ici, 4 000 francs de plat. Ici, un plat revient payé. Je ne sais pas ce que ça signifie. Tu peux un peu m'expliquer? Assieds-toi, prends place parce que c'est sérieux. Voilà ça. Tu me détailles un peu. Ah oui. Madame, les 19 000 c'est là. C'est le jour que vous êtes arrivée là avec votre petit ami et sa famille. Vous m'avez demandé de donner un casier. C'est ça là, c'est ça qui fait... Ferme ta bouche! On ne t'avait pas payé l'argent là? Non madame, il n'avait pas payé. Vous avez dit le jour là que je donne un casier et que j'écrive dans le cahier. Oui, supposons que c'est un casier. Un casier c'est 12 bouteilles. 12 bouteilles. À raison de 800 francs par bouteille. Quand je calcule, ça me donne 9800. Et 19 000, moins 9800, il reste combien? 9400. Madame, c'est ça que j'essaie de vous expliquer là. C'est tout ça là. Le jour là, il a dit, donne les biens. C'est sûr, là buvait jusqu'à. J'ai donné les biens, j'ai donné les biens. Après, je suis venu écrire ça. Tout ça, ça faisait 19 000. Je n'aime pas le voler. C'est toujours comme ça là que tu fais ici. Lorsque je viens ici avec des gens, on te donne l'argent. Tu me dis qu'on n'a pas payé. Et quand j'appelle là-bas, on me dit qu'on t'avait remis de l'argent. Je n'aime pas. En tout cas, tout ça va entrer dans. Fais, continue. Ici, là, c'est 4 plats. Madame, ici, je reconnais. Les 4 000 ici, là. Un jour, mon père et ma soeur, ma tante, mon petit frère sont venus me rendre visite ici, là. Comme je n'avais rien à leur donner, j'ai pris 4 plats. Donc, c'est mon restaurant qui nourrit déjà ta famille. Pourquoi tu ne m'as pas dit ça depuis? Tu attendais que je fasse le compte pour que tu puisses me dire que tu avais donné à ta famille. Ah, madame, je sortais comme ça pour vous dire ça. Me dis ça à quelle heure? Ce n'est pas ça, madame. Les 4 000 là, je vais payer. Continue. Ah oui, reviens payer ici là. C'est le voisin qui est là à côté. Derrière la couturière là, le voisin qui est là, celui qui arrange les télés là. C'est lui. Le jour là, il a mangé, il n'avait pas la monnaie. Il a dit qu'il revenait payer. Donc, j'ai écrit ici, reviens payer. Quand je te recrutais, c'est qu'est-ce que je t'avais dit? Je ne t'avais pas dit que je ne veux pas de crédit. Et c'est mentionné là-bas, payer avant d'être servi. Je pense que c'est ça qui est là-bas. Tu veux me mettre dans les poumons avec mes voisins? Non, madame. Tout ceci, je vais déduire ça dans ton salaire. Tu me suis nommée? Oui. Parce que j'en ai marre de parler. J'en ai marre de bavarder. Tu n'es pas une petite fille. Quand tu auras ton restaurant demain, c'est comme ça que tu vas gérer. Si tu n'apprends pas à gérer, si tu vas apprendre à gérer où? Tu penses que je serai toujours dans tes oreilles chaque jour pour te dire que voilà comment on fait les calculs? Prends ça, tu fiches le camp avec. Voilà même 2000 que je... 2000 là, c'est pourquoi? J'allais même oublier l'autre là. Madame, les 2000 francs là, c'est quand... Tout ça, c'est la petite monnaie. La petite monnaie est difficile, là. Tu es sérieuse? Ça veut dire que tu restes avec la monnaie des gens ici, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça, madame. Quand le client, je dois rembourser, par exemple, 900. Il n'a pas 100 francs et moi-même, je n'ai pas les pièces pour rembourser. Je suis obligée de donner 1000 francs, 1 franc. En tout cas, je ne blague même pas avec toi. J'ai dit bien, tout ceci, ça entre dans ton salaire. Tu me suis, non? Porte ça, tu pars avec moi. C'est quelle histoire ça? Tous les jours,